chers jeunes, chère population de Bouka, je suis le CA de Bouka, le délégué des villages de l'arrondissement de Bouka. Très cher frère, DG Adam, vous savez que on a toujours parlé, pleuré du développement de nos régions. Je sais bien votre ventre. Et je suis très content de vous voir aujourd'hui, ici, célébrer cette fête-là avec la population de Bouka. On continuera sur d'autres cieux, pour la lutte et pour le développement. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voulais résumer que, à l'occasion de la 58e anniversaire de notre accession à l'indépendance, une fête s'appelle fête patronale de Bouka. Il ne peut pas avoir mieux pour se développer. Donc Bouka doit se développer. J'ai noté avec le discours des jeunes, un, que ici, là, ils sont unis, sans couleur, fils de Bouka, pour ensemble chercher le chemin, prôner la voie unique, malgré les divergences possibles qu'il peut avoir, actes ou actions humaines à l'homme, qu'ils sont ici dans l'unité d'action pour le développement commun et la fête commune de Bouka. Je l'ai noté. Deux, j'ai entendu dans votre discours que vous êtes unis pour dire vous travaillez dans le sens de la rupture du Bénin révélé, de Bouka révélé. Donc, vous êtes de commun accord avec le président Patrice Talon. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Trois, j'ai entendu que vous avez dit que vous souhaitez que pour les actions de développement, qu'il manque un certain nombre de choses dans l'arrondissement et que vous demandez humblement au chef de l'État de venir à votre secours. C'est ça? Oui. J'ai entendu que le DG Afro-Dendé l'a dit en nago et en français qu'il paraît que Bouka est dans une soi-disant ligne rouge. Je suis venu là vous dire que c'est faux. Et je vous demande qu'on commence par compter les jours pour voir vraiment si elle est rouge, blanche ou bleue. Pour moi, la ligne sera blanche avec le chef de l'État. Je voudrais vous dire, si je ne cite que ces doléances, que vous êtes non seulement en train de dire que vous êtes de l'action du gouvernement, mais vous êtes en train de dire exactement quelle est la vision du gouvernement de son excellence Patrice Talon. Vous avez suivi hier, simple seulement, il a dit « Je ne mettrai pas de l'argent dans un quelconque référendum, des milliards dont j'ai besoin pour le développement de mon pays. » Cela veut dire quoi? Que nous allons à la quête pour que Bouka ait sa part dans ces milliards. Je voudrais vous dire que ce message passera par les voies que nous avons empruntées, les voies de presse que vous voyez, mais nous allons porter ce message, votre discours, directement dans la main du chef de l'État. Et comment on dit bien. Je voulais alors compter sur les jeunes ici, les femmes, nos pères, nos mères. Comme l'a déjà dit le DG et vous-même les jeunes, qu'on s'organise pour soutenir en un comme Bouka a l'habitude de faire les actions du chef de l'État et nous aurons le retour qu'il faut. Pour le courant, pour l'eau, pour l'hôpital, pour la scolarisation et pour le travail et les fonctions pour nos frères et sœurs.
Et dit non,